Mais pas vraiment dans mon studio. Allez, c'est parti. En effet, comme je vous l'avais dit, je vous prépare un Magic Jazzy un peu spécial en direct, enfin pas en direct parce que évidemment c'est enregistré. Alors à l'actuel où vous le visualisez, je suis dans l'avion, je rentre sur Paris, mais Magic Jazzy filmé à Las Vegas, donc c'est une petite surprise. Je suis dans le centre des congrès de l'Excalibur pour, vous savez, le fameux congrès sur la triche, la protection des tables qu'organise Richard Marcus. On a été super bien reçus, le spectacle s'est super bien passé, très très bien accueilli. Bref, ça va sûrement déboucher sur plein d'autres choses après. Ça, je vous en parlerai dans les vidéos prochaines. Le tour que je vous propose ce soir, eh bien, est issu encore du Very Best Of d'Aldo Colombini. Ça s'appelle Four Split. Très rapide, très flash, et j'ai beaucoup aimé. Donc voilà, je vous allais découvrir l'endroit d'où je l'ai filmé. Il y a beaucoup de bruit, beaucoup de bruit. J'ai pas eu de chance parce qu'il y avait un avion qui décollait juste à côté. Il faisait très 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 chaud. On n'a pas pu rester, je suis en famille, j'avais une de mes filles qui souffrait énormément de la chaleur, donc on est reparti très vite, j'ai pas pu retourner la vidéo. Je vais vous mettre des sous-titres en dessous, vous allez suivre, mais de toute façon c'est visuel. Donc le travail d'Aldo, vous le retrouvez chez CC Magic bien sûr, je vous mets les liens dans la description, et puis tout ce que vous avez besoin bien sûr pour votre magie. Lui et je, ce soir, nous propose It's a Wonderful World de Frédéric Guérard, à partir de 14 ans et plus, 2 à 5 joueurs, 45 minutes pour les parties. Les plus du jeu, eh bien, c'est un jeu de draft de cartes hyper tendues où chaque partie est différente. Un plaisir fou d'essayer de valider ses cartes construction et puis surtout un déplaisir fou de voir qu'on n'arrive pas à valider ces fameuses cartes de construction. Je vous mets une vidéo dans la description et puis sinon www.guajeu.fr, les boutiques, vous les connaissez toutes. Voilà, les voir seront bien sûr vous renseigner. Pour la magie, comme je vous l'ai dit, c'est CC Magic. Et puis pour l'actu, eh bien voilà, je rentre donc de Vegas, je vous raconterai ça, je ferai peut-être une vidéo peut-être sur un petit peu les coulisses de, enfin pas les coulisses de Vegas, mais quelques vidéos, quelques photos, etc. Je vais voir. Voilà. En attendant, je vous souhaite à toutes et à tous un très bon visionnage, un bon samedi soir, bonne magie, et je vous dis à la semaine prochaine. Allez, ciao. Bien, bah, vous avez promis un Magic Jazzy un peu spécial. Écoutez, vous avez vu où on est. Je vais essayer de vous faire un truc un peu rapide, il y a un peu de bruit, l'aéroport est là, voilà, c'est le street, c'est assez incroyable. Mais bon, ok, regardez bien, on va essayer avec un truc avec un 4 de trèfle, d'accord, on va dédoubler le 4 de trèfle. Pour ça c'est très simple. On passe dessous, petit claquement de doigts et on dédouble le 4 de trèfle. Ça nous fait 2-2, c'est sympa hein. Ce qui est sympa, c'est de dédoubler les deux. Et pour les dédoubler, on double dessus et normalement on a les 4 as, d'accord, okay. Les 4 as qu'on peut faire disparaître juste comme ça. Et normalement on les retrouve dans le milieu du jeu. Yes, c'était cool. Et bien voilà, c'était en direct de Vegas. Merci beaucoup, je vous embrasse et à la semaine prochaine. Ciao.